Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue donc dans cet épisode 49 d'Au coin du Blu-ray. Épisode donc 49 consacré à la lettre W. C'est l'avant-dernier épisode, donc du coup, il nous reste plus que quelques lettres à brasser. J'ai pas beaucoup de films dans la lettre W, pour être sincère. J'en ai beaucoup plus dans ma collection de DVD. Ma collection de Blu-ray, j'en ai quasiment pas. Et donc, du coup, j'ai décidé de vous faire une petite piqûre de rappel sur un long métrage que je trouve extrêmement intéressant. Parce qu'il fait partie de cette vague de nouveaux films de genre qu'il y a eu aux États-Unis durant les années 2010. Une vague qui a été clairement emmenée par trois cinéastes, je trouve. C'est Ari Aster, donc réalisateur de Midsommar dernièrement, mais également de Hérédité. David Robert Mitchell, donc réalisateur de It Follows et aussi de Under the Silver Lake. Et le troisième metteur en scène dont on va parler, c'est Robert Eggers. Robert Eggers qui nous a offert tout dernièrement The Lighthouse, dont le prochain film a l'air d'être génial avec un casting dingue, mais on va s'attarder sur son premier, The Witch. The Witch, dont on parlera également de la campagne de com' d'Universal qui a été particulièrement foireuse en France. L'histoire, ça se passe en 1630, en Nouvelle-Angleterre. On va suivre une famille qui s'installe dans un petit village, et il va commencer à se passer des choses étranges, notamment autour de l'aîné de la famille, qui semble développer des capacités un peu surnaturelles. J'essaye de garder le plus de mystère possible autour du film parce que réellement, moins on en sait, plus on trouve le film intéressant et passionnant. Faut qu'on parle de la campagne de com' du film en France. Comment dire ça subtilement? Universal a voulu vendre le film comme un gros film d'horreur basé sur des jumpscares. Donc je vous invite à aller voir la page Allociné du film pour découvrir à quel point tout le monde est passé à côté de The Witch et que à part la presse, et ben, le long métrage s'est fait déglinguer. Aux États-Unis, heureusement, le film a eu une campagne beaucoup plus juste qui a vendu le film comme une œuvre plus indépendante, mais c'est parce qu'aux États-Unis, c'était pas Universal qui se chargeait de la campagne de com, c'était A24. Il n'y a pas encore de branche française d'A24. C'est bien dommage parce que du coup, on passe à côté de pas mal de petites pépites qui n'arrivent pas à trouver une place sur notre territoire. Je pense à The Green Knight, par exemple, qui a droit à une sortie française sur Amazon Prime Video, alors que partout ailleurs, il est sorti au cinéma. Et clairement, quand on voit la gueule qu'a l'air d'avoir le film, on se dit que c'est un peu dommage de voir ce long-métrage chez soi sur une télé. Mais donc, ouais, The Witch a eu une campagne de pommes catastrophique, et du coup, le long-métrage est complètement passé sous les radars. Il a fallu que The Lighthouse sorte quelques années plus tard, mais malheureusement, et c'est bon de le rappeler, The Lighthouse est sorti à la pire date possible, c'est-à-dire le même jour que Star Wars 9. Donc tout le monde s'en est foutu en fait de The Lighthouse, ce qui fait encore mal au cœur même aujourd'hui. Mais donc du coup The Witch, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. The Witch est un film que je trouve passionnant. C'est un film qui développe une ambiance rare, c'est un film qui a une forme et un ton absolument génial. C'est un film qui fascine dès ses premières minutes. C'est un film qui joue particulièrement bien avec le spectateur et c'est un film surtout qui pose les bases du cinéma de Robert Eggers. Robert Eggers, avec ce long métrage, a voulu dire « j'aime le cinéma de genre, je veux pousser celui-ci dans ses retranchements ». Et il voulait surtout retrouver un petit peu une sève cinématographique et dramatique qui fait référence à un vieux cinéma. On le verra encore plus dans The Lighthouse. The Lighthouse est un monument de composition cinématographique qui va carrément chercher des objectifs des années 30 pour réussir à rendre le film encore plus crédible. Et déjà dans The Witch, on sent que dans le travail de la photographie, dans le travail du cadre, dans le format du long métrage, dans l'ambiance qui se dégage des personnages, tout ça, ça construit quelque chose de rare et surtout ça permet au film de développer une sensibilité atypique. Et ça permet surtout d'avoir la sensation que le long métrage ne veut pas se fondre dans la masse et veut vraiment développer une manière nouvelle de concevoir le cinéma de genre. Et je trouve ça assez génial parce que du coup, ce qui pourrait ne sonner que comme une énième proposition en fait de cinéma horrifique avec quelques effets un petit peu d'auteur, devient vraiment une œuvre puissante, rare, imposante et qui a envie de nous embarquer dans son univers. Donc à partir de là, on ne peut pas dire non à une telle proposition de cinéma. On ne peut pas dire non à ce qui semble être réellement une envie de vouloir nous embarquer dans quelque chose de rare et quelque chose d'unique. Et c'est ça que je trouve parfait dans son métrage. Et c'est ça qui vraiment m'a fasciné dès le début. Dès la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment eu envie de comprendre un petit peu mieux quelle était
ce qui me faisait ressentir de telles émotions devant son métrage, et clairement j'ai pas été déçu, parce que dès qu'on rentre dans les détails de l'œuvre, on se rend compte que Robert Eggers a disséminé plein de détails, plein d'éléments qui font qu'on a envie d'analyser un peu plus profondément cette œuvre, et surtout de comprendre sa sève horrifique, et de découvrir vraiment qu'est-ce qui fait que ce long métrage a un regard particulier sur le cinéma de genre, et a envie de nous emporter finalement dans son délire. Alors, pour ce qui est du Blu-ray en tant que tel, c'est comme à chaque fois chez Universal, c'est un enfer. Universal a la fâcheuse tendance en France à ne pas vouloir mettre de bonus sur ses Blu-ray. Donc ici, ben, on n'a rien. On a rien du tout. Vous avez juste la possibilité d'avoir une copie numérique du film, mais c'est tout. Alors que si vous allez sur Internet, vous trouvez plein d'images de making-of et de concept art autour de The Witch qui sont absolument géniaux. Et du coup, ça fait de la peine de se dire qu'encore une fois, on a... un distrib qui en a un peu rien à faire finalement du film et qui, à l'image de la campagne de com, loupe un petit peu son truc et c'est un peu dommage. Et avant de conclure, j'avais surtout envie de parler de ce film parce que c'est le film qui m'a fait découvrir une actrice. Une actrice exceptionnelle. Anya Taylor-Joy, révélée au travers de ce long métrage, est sublime. Elle porte le film, elle est incandescente, elle est enivrante, elle est fascinante. On regarde ce long métrage pour elle. Et réellement, son interprétation, elle est fantastique. Et je trouve que son métrage, du coup, est important pour deux raisons. Parce qu'on a découvert Robert Eggers avec ce film, et parce qu'il y a Anya Taylor-Joy. Et qu'Anya Taylor-Joy, elle est vraiment géniale au travers de son métrage. Et je pense que, sérieusement, 50% de la grandeur de ce film vient de Robert Eggers, et 50% vient de la présence d'Anya Taylor-Joy, qui est vraiment merveilleuse. Et également le casting secondaire qui a des gueules de cinoche absolument exceptionnelles. Enfin, ça, je vous inviterai à découvrir. Mais donc, en tout cas, ouais, The Witch, je vous invite fortement à le découvrir si ça n'est pas déjà fait ou à le redécouvrir si vous l'avez déjà vu. C'est un film rare, une œuvre de genre vraiment imposante, un film qui fascine, un film qui donne envie d'analyser le cinéma de Robert Eggers. Et surtout, je sais que j'en avais déjà parlé dans cette émission, mais si vous aimez The Witch, regardez The Lighthouse. Et vivement son prochain long métrage. Je pense que ça va être un truc de dingue. Ainsi s'achève donc cet épisode 49 de Coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, tiens, le film que vous estimez avoir eu la pire campagne de com en France. J'aimerais bien savoir. Moi, je pense foncièrement que The Witch fait partie de mon top 2, mon top 3, des pires campagnes de com françaises, dans le sens où le film n'a pas du tout été vendu pour ce qu'il était. Mais n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, tiens, je pense qu'on aura moyen de trouver des petites perles dans le genre. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos, il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.